Cap au sud, direction Cagnes-sur-Mer et l'hippodrome de la Côte d'Azur ce jeudi. Le Quintet Plus est aussi l'un des temps forts du meeting d'hiver sur la Riviera. 16 partants sur 3 échelons de départ. La vérité dans cette épreuve se situe en tête. Go and Boy, le 10, le pensionnaire de Romain Derieux n'a plus à prouver son aptitude au tracé. Il s'élancera des 25 mètres, mais c'est pas insurmontable pour ce cheval de classe du lot. Bordeaux-Est a rapidement pris ses marques sur notre sol. Il vient de réaliser une performance de choix derrière Gaspard de Brion, confié à Christophe Martens au premier poteau. C'est une première chance. Flamme Vive, le 8, en forme, elle vient de renouer avec la victoire en découvrant la piste de Cagnes-sur-Mer. Elle monte de catégorie, mais son entraîneur lui a trouvé un bel engagement en tête. Ben Gurion Jet, son entraîneur affiche la couleur, émoji vert. Il faut dire qu'il n'a pas raté son retour dans l'Hexagone en terminant 4e du Ténor de Beaune. Déféré les 4 pieds, c'est un incontournable. Zacharia Barr, son compagnon d'entraînement, une nouvelle fois déféré des 4 pieds. L'inconnu réside sur la distance, s'il tient, il ne terminera pas loin. Écureuil Génilou, il a terminé à la 3e place de cette épreuve l'an passé. Le roi de Cagnes-sur-Mer vient de montrer sa forme en concédant de peu la victoire. Il devra s'élancer cette fois les 50 mètres, mais peut briller une place. En chiffres, ce ticket donne 10, As, 8, 12, 14 et 15. Pour ce quintet en 6 chevaux, il vous en coûtera 12 euros. Retrouvez mon ticket, l'analyse détaillée, les performances, les notes, les interviews concernant ce prix de la Côte d'Azur sur le site equidia.fr.